Alors, salut à tous, donc on se retrouve pour un nouveau petit module. On venait de faire le crâne de Grasse, et là on va faire un coin de paradis. Alors j'ai un peu cherché après le crâne de Grasse parce que c'était marqué 3 à 5 heures de temps de jeu. Et les 3 épisodes réunis font à peine 2 heures. Mais j'ai cherché, il n'y a pas d'autres missions, hein, donc bon, un peu déçu. Pas le meilleur module que j'ai fait, loin de là, mais enfin bref, c'est pas très grave. Du coup, on va faire celui-là. Alors, un coin de paradis. Rolston était, jusqu'à il y a peu, un village agricole sans histoire, à la limite de la forêt du même nom. Mais depuis plusieurs semaines, les habitants fuient le village. Des créatures sans âme errent la nuit, pardon, aux abords des habitations. Une sombre malédiction s'est abattue sur la ville et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Votre route vous mène à l'entrée de Rolston où règne une lourde ambiance. Serez-vous celui qui mettra à terme la malédiction de Rolston? Ah bah, c'est le même... ouais, je viens de remarquer, c'est le même mec qui a fait. Donc on va voir, on va regarder ça. Pareil, il conseille que ce soit un groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre mon personnage. Comme ça, il y a une continuité. Hein, même créateur, même perso. Voilà. Donc je vais faire un petit rappel pour ceux qui auraient peut-être pas vu avant. Donc un petit paladin de level 5, demi-elf, voilà. Donc statistique assez classique, j'ai exporté mon personnage, donc j'ai le stuff des épisodes, enfin des let's play du crâne de Grasse que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu. Donc des skills moins 12 en discrétion, c'est-à-dire que quand je marche en fait tout le village m'entend arriver quoi. Voilà. mais voilà, du coup, j'ai un gros malus d'armure, parce qu'avec le pavois, l'armure lourde, etc. Armure moyenne, non, moyenne, il me semble. Et intermédiaire. Donc, concentration, je suis basé là-dessus, un petit peu de bluff, un peu de persuasion aussi. J'ai l'arme de prédiction épée courte, malheureusement, c'est une épée longue que j'ai, donc un peu con, mais c'est pas très grave. Et voilà, des trucs classiques, châtiment du mal, guérison des maladies, etc. Et on va partir là-dessus, on va découvrir ensemble le module. Alors... Ils sont un peu habillés de manière trop clean pour des fermiers, non? Là, des fois, je suis assez surfait des... la définition... Bon, évidemment, c'est pas la meilleure texture du monde, mais genre la définition des textures de cette poignée de porte qui sont bien, bien trop HD pour le reste du jeu. Cette porte est fermée par une barre sur l'autre côté, vous ne disposez aucun moyen pour l'ouvrir, et vous envoyez de toute façon à l'intérieur. D'accord, mais moi j'ai envoyé à l'intérieur, hein. Je voulais rentrer chez les gens. Pareil, ok. Le mec vit reclus dans une ville. Qu'est-ce qu'il y a? Sanctuaire de la nature. Ok. On a donc un sanctuaire ici. Maison de Natel. J'ai rien, donc non, aucune quête, pas de truc. Allons-y. Vous pouvez vous reposer ici. Chandelier. Ah d'accord, je peux l'éteindre la lumière, je le laisse allumer, c'est plus sympa. Bonjour voyageur, que puis-je pour vous? Qui êtes-vous? Je suis Natel, chef du village de Rolston. Mes concitoyens m'ont confié la responsabilité de gérer les affaires importantes du village. Où puis-je faire quelques achats? C'est vrai que par contre, il ressemble bien à son avatar, c'est cool. Allez voir Maurix, c'est un marchand itinérant. Vous le trouverez à la croisée des chemins, au milieu du village. Vous son chariot, la roue cassée. Ok. Bon, il me dit pas grand chose. Putain, mais tout qui est fermé de l'autre côté ici. C'est dommage que le mec te fasse une fenêtre de dialogue juste pour te dire ça, t'sais, il aurait pu juste avoir un petit chatbox qui apparaisse. Morik. T'es piqué. Salut mon gars, tu vois quelque chose d'intéressant dans le chariot, j'aimerais jeter un œil à son marchandise. Regardez ça, hein. A priori. Pas non plus trop bon. Pas de marchandises particulières.
Non. Que des trucs classiques. Notre protection. Un autre d'intuition. Savoir plus 5. Est-ce que j'ai un petit peu d'argent? Oui. Alors après, il y a plein de trucs de l'ancien module, du coup. Ils sont là. Ça, je peux pas. D'accrocher. Ah, d'accord, j'ai. Un autre protection, je vais le vendre parce que. Voilà. Point Nick. Ok. Marteau de guerre. Ça qui prenait tout le poids là. Hop. Je vais prendre ça. J'ai pas d'autre truc, non. Il n'y a pas de bot ni rien. Ok. Ok. Bon. Bonjour, mon papa est parti dans le cimetière, il n'est pas revenu. Je suis sûr qu'il arrivait quelque chose, je voudrais bien le chercher, mais les grandes personnes, c'est trop dangereux pour une petite fille. Quoi. Moi, je vais aider des petites. J'ai envie d'aller chercher mon papa, il s'appelle Alan. C'est le plus fabuleux papa du monde, je vais attendre ici que vous reveniez avec lui bientôt. Ok. Je vous supplie, aidez-nous, la région est envahie par les morts vivants, on ne sait plus quoi faire. Que se passe-t-il ici? Quelle est l'histoire? On va raconter. Depuis plusieurs semaines, des morts vivants sortent de la crypte de votre cimetière et envahissent les environs du village. Nous ne connaissons pas la cause de cette malédiction. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez aller parler avec Natel, c'est le chef de notre village. Mais je viens de lui parler, il n'aura pas pu m'en parler directement. Quel coquin. C'est toi le mort-vivant. Dans le village, on parlait du malédiction des morts-vivants. C'était notre cimetière. Effectivement. Les morts sont relevés dans notre petit cimetière. Ils surgissent de la crypte toutes les nuits. Les habitants, pris de panique, fuient la région. Je ne sais plus quoi faire, je n'ai aucune explication. C'est cette soudaine malédiction qui nous frappe. Je vais vous aider. Mais dans le cimetière, il faut aller à la crypte pour découvrir ce qui se passe. Merci beaucoup de votre aide, j'ai déjà envoyé un groupe de 4 villageois pour les fouiller la crypte, ça fait maintenant 2 jours qu'ils sont partis, ne sont pas revenus. Rien qu'ils aient été tués par les morts vivants. Prenez cette clé pour mettre en ouvrir les portes qui mènent au cimetière. Bonne chance. En fait, en termes de construction, ça a l'air d'être pareil que le crâne de Grasque en fait. Du coup, en bas, on a la forêt. Et là, du coup, on n'a pas de panneau. Yeah, c'est quoi? Ah là, y a rien du tout. Bonjour. C'est la route qui traverse ce village en direction du nord-ouest, ou très rapidement les portes du cimetière. D'accord, il est juste là. C'était marqué en gros. Hop. Ah ben on va aller voir le cimetière, on va aller voir ça tout de suite. Zombie. J'ai oublié de mettre ma bénédiction d'armes. Les zombies, je vais en faire qu'une bouchée, je vous le dis autant, je vous le dis direct. Non, je décolle, je suis en train de galérer. Hop. Voyons, vagabond. Parce que je suis un paladin, donc moi les zombies, tout ce qui est mort-vivant, moi je vous renvoie chez vous, moi, direct. Oh. Par contre je suis vraiment mauvais pour toucher mes ennemis, c'est une catastrophe. Voilà. Ah.
falloir lui dire à la fille. Je suis pas sûr qu'elle va être très contente de l'apprendre. Fuyez! Eh oui, elle est prise pour qui? Je suis un paladin. Hop là. Démon. Regarde. Dans le dos. Tac. Hop là. Bon, du coup... Fallait dire à la petite fille que son père est mort. Je pense qu'elle n'est pas très heureuse. Vous pouvez prendre des notes dans votre journal, hein. Cela est vrai. Bonjour. D'accord, donc le mec est arrivé comme ça, il a cru que c'était la fête, quoi. Désolé, petite fille. Mais j'ai pas ri. Ah bon? Mais Ah non, putain, je suis con, ce que j'ai entendu et j'ai mal lu. Putain, en fait, c'est moi. c'est moi qui passe totalement à côté, quoi. N'importe quoi. Donc il y a les trois, mais il n'y a pas son père, en fait. C'est l'inverse. La daf de Grohl. Que m'arrive-t-il? J'ai si froid, je ne sens plus mes mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Je crois que je suis Grohl, oui. Sans me dire quelque chose, je suis le gardien du cimetière de Rolson. Que m'as-tu? Qu'il arrive, je ne me souviens pas très bien. J'étais en train de creuser cette tombe, j'ai entendu le bruit. Quand j'ai relevé la tête, j'ai aperçu des gobelins. Ils sont revenus sur moi, je ne me souviens plus du reste. C'est très embrouillé dans ma mémoire. Je crois que vous êtes mort, mon pauvre ami. Mort, ce n'est pas possible, vous devez sûrement vous tromper. ER. Attendez, laissez-moi rassembler mes pensées. Je ne me souviens pas très bien. J'étais en train de creuser cette tombe, j'ai entendu le bruit. Quand j'ai aperçu les gobelins. Tu as déjà dit ça. Pas une bonne potion de soin. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? J'aimerais que vous preniez mon alliance sur mon corps et que vous alliez l'amener dans la tombe de ma femme. Vous la trouverez dans le couloir sud de la crypte. Vous ne pouvez pas la rater, c'est la deuxième en partant de l'entrée. Couloir sud, deuxième en partant de l'entrée. Tombe, femme Grohl. Couloir sud, c'est partant de l'entrée. Ok. Je crois que c'est une seule. Il va falloir que je mette quelque chose de plus fort. En plus, je rigole, je me fous de sa gueule. Ok, bah d'accord. Ok, donc il va falloir aller à la crypte. Est-ce que je suis... Ouais, bon, les potions ça va, j'ai quelques trucs. Oh! Bonjour, vous étiez pas là il y a 2 secondes. Hop là. Allez, les zombies. Ah oui, parce qu'on a... Ah oui, c'est les gobelins, quoi. On a du gob. On a du gob. Donc on a du zombie et du gobelin, quoi. Bah ouais, c'est généralement considéré comme insuffisant si on en prend garde. Il peut se multiplier et devenir une réelle menace dans les régions civilisées. Bon, ben moi je leur fais. Je leur casse la gueule, moi, aux gobelins. Je suis vraiment un gros tank, quoi. Je rate tout.
Je vais juste encaisser en fait. Viande crue. Gros de dos. Ok. Ok. Alors, on va continuer dans cette crypte. Qu'est-ce qui s'y trame? Une tombe. Oh, il y a du zombie là-bas. Il y a des zombies. Là, j'ai cassé la tombe. Oh, il y a du squelette. Oh putain, il y a du monstre. Hop, un petit renvoi des morts vivants. Voilà, ça calme tout de suite. Hop, attaque en puissance et dans la gueule du zombie. Hop là. Ça, c'est vrai que je m'en fous. Ok, l'alliance du mariage de Growl. Ah oui, d'accord, elle est indiquée. Ok. Moi je pensais qu'il fallait la chercher et tout. Et au final non. Elle est tout indiquée. Ok, on va juste aller revoir si le gars, il faut pas lui dire j'ai fini la quête, tu vois. Parce que j'ai entendu une voix tout à l'heure, mais. Non, bah je. Non, non. Ça l'a considéré direct. Ok. Ok, ok. Ça c'est bon. Donc il faut quand même trouver le papa disparu et finir découvrir ce qui se passe dans cette crypte. Qu'est-ce qui peut bien s'y tramer? Ah voilà, c'est bon, c'est vrai que le module est compatible en solo, c'est marqué sur le truc, mais je pense qu'après c'est des petits modules, je pense qu'ils peuvent être sympas à faire entre potes, quoi, mais malheureusement je n'ai personne qui joue à ce jeu, en tout cas que je connaisse, donc je suis obligé d'y jouer tout seul. Un jour peut-être. Vous allez mourir aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez cette vidéo un jour, si si quelqu'un est chaud pour qu'on puisse essayer un module en coop. Ouais, bon, il y a un message, le MMP, comme vous voulez. On peut s'arranger. On dirait que c'est un appel de détresse, mais non, c'est juste que c'est vrai que j'ai, enfin, j'ai personne. Alors, après, j'ai fait jouer à mon père. Mon père y a joué à ce jeu, mais bon, il est pas extrêmement fan. Donc bon. Lui, il est plus RPG purement tour par tour, donc les trucs en pause active, etc. Comme ça, il aimait un peu moins. J'ai la bénédiction d'armes. Aïe aïe aïe! Une grâche, d'accord. T'es un gobelin spécial, toi? Ouais, je vais te casser la gueule. Hein. Grâche!
Clé des tombes. Ça a l'air intéressant. Ça, tu peux garder ça. Ok, feu de camp. Squelette de villageois. Ah! Ah! Petite montée de niveau. Oups. Sugoroid de touche. Qui a tiré à l'autre bout de la planète, où ce que t'es. Il tire quand même à travers les poteaux, donc c'est quelque chose d'intéressant. Laquelle est la plus stylée? Je prends celle-là. Hein. Parce que celle-là, le bas est super chelou. Bon, regardez celle-ci. Comme c'est les mêmes stats, je voulais juste voir ce que ça faisait sur le skin. On loot. Mais est-ce que c'est la gourde là? Déposer, non, d'accord. Je pensais qu'il y avait sous jouer ça pour assaisir ça. Donc je me suis peut-être dit que il y avait une gestion de la soif, mais non. Hop, ce faux squelette là. Mais du coup, le papa a disparu. J'ai découvert que les cadavres de 3. Ah, il semble que j'étais à là. J'ai aucune. Ok, donc il manquerait le corps du daron là. On va le chercher. J'étais obligé de passer dedans. Je ne pouvais rien y faire. Oula! Monsieur squelette. Oula, par contre, il y a du zombie là. Il y a du zombie. Il y a Maître Gims là. Ça va sortir de cette tombe. Ah, c'est peut-être le daron qui est enfermé dedans. Un petit renvoi des morts vivants, petit classique. Il le lance là. Ah oui. J'ai plus ma bénédiction d'armes, donc j'ai plus des. J'ai plus les dégâts divins en plus, mais. Hop. Ah bah là, les zombies font moi les marioles. Hein. Là ils ont affaire à un paladin là. Voilà. Pourquoi merci d'avoir sorti ta... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais pas retrouver ma fille, c'est ma petite fille, elle doit être morte d'inquiétude. Et t'as rien à me donner toi? Bon par contre tu veux bouger du chemin. Merci. Top, ça va, il a l'air serein. Hein. Vraiment, oh, tranquille. Bon, les zombies, ça me fait pas peur. Ah, bonjour. Oui. Faut monter de niveau, voyons. Pas la norme, classique. J'ai pas de persuasion.
J'ai pas vu ça graphique dans un dans 1. Ils sont motivés tant de châtiments supplémentaires. Enchaînement, je suis chaud. Hein. Enchaînement, je suis chaud. Hein. Quand il y arrive bien, je peux choisir un deuxième sort. Mettre en niveau un sort de sort, gagne un bonus puissant à ses jets d'attaque. Dégâts minimum, maximum plus 5. Phase de raillerie, parce que j'utilise même pas. Hop. Ah. D'accord. C'est nouveau. Ah ok, il y a une gestion de... D'accord. Si. Ok, je savais pas. J'ai... Sur la description du mode, c'était pas marqué. Bah après, je crois que il y avait un PDF que j'ai pas lu. Chut, faut pas le dire. Ok. Donc il y a une gestion gourde, eau, bouffe. Ok. D'accord. Non, c'est pas mal ça. En fait, faut faire une vraie... vraie pause quoi, en fait. Pause manger, se régène. Ok. Meuf est habillée à la poêle avec un casque et une épée, un bouclier. Vous n'avez rien à manger. Bah c'est quoi ça? Parce qu'il faut, il faut utiliser les feux de camp. Est-ce que c'est pas on peut se reposer qu'au feu? Ou alors faut faire cuire la viande. Ah. Vous avez réalisé un excellent travail jusqu'à maintenant. Les villageois quittent la région et les familles entières. Encore un mois, ce rythme, les villages de Rolson sera complètement déserté. Le sanctuaire de la nature retrouvera rapidement la tranquillité et la pureté qu'il avait toujours eu à voir. Je vous apporterai alors en contenu la somme avec laquelle je suis engagé. Ok. Bon, c'est pas grave, on va continuer. De toute façon, j'ai pas... Les ennemis sont pas très puissants, donc ça va. Je devrais y arriver, à moins qu'il y ait des... une armée qui me tombe dessus, ça devrait le faire. Ah, en tout cas, parce que j'aurais dû lire le truc, mais pas mal en tout cas. Enfin, j'aime bien le petit côté et tout. Il faut faire une vraie sieste, quoi, en fait. Enfin, un vrai repos. Faut m'avoir mangé, à boire. Bonjour. Vous allez mourir aujourd'hui. Vous allez sentir ma colère. Ah. Oula, mais le squelette, il me respecte pas là. Voilà. Merci, bonne journée. En plus, c'est vrai que je viens de m'en rappeler. Parce qu'en fait, j'ai téléchargé les mods. Enfin, entre guillemets, il y a un bout de temps, oui. Et là, comme j'ai eu du temps pour rejouer au jeu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai ce mod-là, mais je viens de m'en souvenir qu'il y avait un. Si je me trompe pas, il y avait un PDF qui était fourni à... avec. Pour expliquer s'il y a un MJ, pour lui expliquer les règles et tout. Non, mais c'est de ma faute. Il faudra peut-être que je le lise quand je vais couper pour aller faire. Quand j'ai coupé tout à l'heure, je reprendrai pour l'épisode 2, je le lirai. Merci de m'avoir rapporté mon pop.
Ouais, bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais aller voir le gars, je vais lui rapporter ce que j'ai trouvé. Vachon. Est-ce que le gars, ça lui dit quelque chose? Les gobelins sont responsables de l'invasion du mort-vivant. J'ai découvert et tué Grâce au chef, le responsable de la création du mort-vivant. Tout devrait rentrer dans l'ordre maintenant. Si vous remerciez grâce à vous, les gens du village auront une existence paisible. Donc je vais couper là. Et je reviens tout de suite pour la suite et quand j'aurai pris connaissance du PDF. Ok, du coup on est de retour. Alors je suis allé vérifier et tout. En fait, ouais, il faut cuire la viande dans un feu de camp. Et du coup, à chaque fois qu'on se repose. On consommera une unité de bouffe et une gourde en fait. Et il y a un repos tous les 8 heures, sauf dans certaines zones spécifiques où le repos est illimité. Mais voilà. Normalement, voilà. Derrière voilà. Gourde vide, donc on a une gourde. Et c'est remplissable. Les gourdes sont remplissables dans un puits. Gourde vide. Ok. Ah! Donc ça consomme une unité de boue et t'es obligé d'enlever l'armure. Enfin, il faut enlever l'armure lourde ou intermédiaire si tu veux te reposer. En même temps, c'est vrai que sinon c'est un peu un enfer. Je t'en vois rien. Bon, du coup, juste là, je reviens voir le mec parce que du coup. J'avais pas enregistré comme un connard et je suis allé rechercher les provisions des gobelins que j'avais tués au début, que j'avais pas récupéré. Alors du coup, Jean-Michel, Natel. Les gobelins sont responsables, ça on a déjà lu. Bienvenue. Ça c'est à moi. Fenêtre. J'arrive, je pille chez lui, je casse ses portes et tout. Ah oui, si on déconne pas trop. Hein. C'est donc toi, Vachon le vilain. Je sais pas si on va se battre. Vous avez trouvé une petite note, vous aimeriez savoir pourquoi, hein? Bien une explication en effet. J'étais le gardien des sanctuaires au milieu du village dans ma jeunesse. Quand je suis revenu dans la région, ces maudits villageois avaient tout souillé en installant leur maison autour de ce lieu sacré. J'ai fait appel aux gobelins pour les chasser et reprendre sa pureté des sanctuaires. Quitter la région où ne revenez jamais, vous en subirez les conséquences responsables. Tous les morts, vous allez payer maintenant. Moi, je vais te casser la gueule. Oh putain, il a un compagnon blaireau. Oh putain, on est pas dans la merde. Ah d'accord, j'ai les buffs qui viennent m'aider. Ah! Oh putain! Oh putain, trop fort! Les forces de la nature sont en l'œuvre dans ce lieu. Allez, le blaireau là, j'ai un buff avec moi, tu vas faire quoi? La villageuse, elle a pas l'air choquée de ce qui se passe. Hein. De Vachon. Quand je pense que c'était Vachon le véritable responsable des ennuis du village, nous aurions jamais pensé qu'il puisse nous vouloir à ce point. C'est de vous remercier et régler définitivement vos problèmes. Je peux pas me dire que c'est déjà fini quand même. Attends, il y a la forêt là-bas. Non, il doit y avoir un autre truc. Parce que là, sinon, c'est chaud. Pote de vigueur. Concession plus 1, ça c'est cool. Une question d'esquive et la CA. Ouais, je suis déjà. Attends, je suis déjà un professionnel de l'esquive, moi. Après quoi. Je me suis encore gouré de touches. Non, j'ai pas l'air con. Ah, gant ménestral. Bah, je te le vends puisque je peux rien en foutre.
Ok. J'ai rien d'autre, a priori. Non. On s'en fout. Je suis pas allé. Alors. Lui, je sais pas si on a quelque chose à foutre de ce que je lui ai raconté. Merci d'avoir sauvé notre village des morts-vivants et des gobelins. J'ai découvert que c'était le druide Vachan qui vous avait engagé les gobelins pour chasser le village. J'ai fait en sorte qu'il nous importe plus, il ne nous laissera plus jamais le village, faites pas confiance. Ça fait un excellent travail, je double votre prime pour remercier tous les citoyens de Rollstone, vous doivent beaucoup. Bienvenue. Bonjour. Enfin, y a le cadavre du mec à poil qui vit à poil devant l'hôtel quoi. C'est beau. Putain, par contre, on voit genre rien du rien. Kleps. On va du coup on va découvrir. Oh là là là, vous allez vous calmer genre en direct les gars. T'as toute la forêt qui va venir me casser la gueule. Vous allez sentir ma colère. Aïe. Allez. Non, d'une pipe. Ça, ça me fait penser, c'est dans la campagne principale de Neverwinter Nights 2. C'est Nishka que j'ai là, qui est roublard, je suis spécialisé en assassin. Entre ses enchaînements, ses attaques sournoises et tout. Aïe, aïe, elle fait mal. Hein. Elle te lâche des critiques, autant te dire que les blaireaux, ils feront les marioles. Hein. Campement de Vachan. Coffre de Vachan. C'est pas très sympa. Hop, je prends. Je peux pas récupérer genre ah voilà la viande, c'est ça que je voulais. Je récupère la viande. Remplir la gourde vide. Et du coup, je vais au feu de camp. Et je fais rôtir ma petite viandasse. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? Ah oui. Ok. Ok. Donc comme ça, hop. Là du coup j'enlève mon armure, ça devient érotique. Et je peux me reposer. Parfait. Comme ça je suis entièrement OP. Bah, par contre, ne me mets pas le black screen deux fois. Mais bon. Bon, c'est déjà fini. De là où je viens. Mmh.
Bonjour. En vrai, c'est la chaîne là, hein. Ça, on l'a déjà dit ça. C'est toujours les étudiants comme ça en fac de psycho qui fument des roulés et qui vivent dans la nature, hein, de toute façon. On l'a appris. Ok. Ça fut prompt, j'ai quand même. Je vais quand même aller refaire un tour. Alors oui, du coup, au final, le module est déjà terminé. Alors, je l'ai fait, c'était marqué single player ou multiplayer, moi j'ai fait tout seul. Par contre, je vous invite, je pense que celui-là, l'autre, après c'était parce que j'ai mal joué, il est plus long et tout. Mais celui-là, par contre, il y a un vrai... enfin, comme... Il y a un... Comment on appelle ça ? Putain, je trouve plus mes mots. N'importe quoi. Il y a tout une explication, un petit PDF, là, un petit fichier Word. Pour le maître de jeu en fait, et ça peut être très intéressant d'y jouer à plusieurs parce qu'il y a tout le système de faire des pauses, hein, de prendre de la bouffe et tout. Donc je pense que s'il y a vraiment un bon maître de jeu qui est capable de poser une ambiance et tout, en vrai ça peut, un multi ça peut se faire, ça peut être pas mal. Puis c'est surtout comme c'est court, hein, ça n'oblige pas de revenir plusieurs fois dessus, que tout le monde soit là présent et tout. Je pense qu'en une soirée c'est plié et voilà quoi. Donc c'est tout pour ce module, et on se retrouve pour un autre module, je vais chercher lequel je vais faire. Salut !